ou ensemble de persécution que nous-mêmes cap mener combat ça a subi bon côté une série pseudo dirigeants bon côté une série de nègres qui baillent tête au nom soi-disant sociologues des nègres qui baillent tête au toute qualité titre mais ça n'a pas dénoncé c'est des espaces que yo joignent eux-mêmes pour recycler tête pour faire promotion pour vacabon alors que moun ka goumé yo espace ça yo yo pas mettre yo à disposition conférence matin hein so conférence pour nous dire pour nous demander parce que nous pas connaît nous ta aimé lumière parce que nous fait noir pour nous connaît est-ce que yo moun qui gen moun yo mandat international dossier cabinet d'instruction recherché activement par la police nationale d'Haïti pour crimes actes terroristes de toutes sortes parce que c'est pas moi qui t'ai bail qualification mais c'était commissaire gouvernement qui t'ai bail ensemble des qualifications ça ensemble de monde qui te fait partie fantôme 509 exemple. Nous tout voyons comment il a recherché vite l'homme activement. Mais dans la liste qui a vite l'homme, il y a une dame qui a fait une déclaration. Il a assumé et l'offre fait une déclaration pour payer les conséquences. Nous tous sommes témoins. Dans l'action, M. Dame Fantôme 509 a commis sur le président Jovenel. Il a commis dans le pays à l'époque, le président Jovenel était président. Yo boulé, yo crasé, yo assassiné. Yo fait tout ça moun pa ta imagine. Dans deux marches, la soi-disant, y a défend l'idée pour mettre campé dans syndicat police. Mais tout moun te wè parce que moi-même j'ai 25 ans. Ma bataille m'a fait passer revendication, même connaît qui ça la loi mettait à disposition lorsque m'a revendiqué. Parce que pendant ma revendiqué droit, je ne peux pas violer droit. Eh bien, nous tous témoins, la presse, t'es témoin comment Yannick Joseph, qui était quoi, était un bon assassin criminel en Samavel, il était assumé avant l'assassinat de Jovenel Moïse. Jovenel Moïse fait une déclaration, il dit que son soprasson, je suis croqué dans le gros jour. Yannick répond ouvertement. Il dit si nous pas ka valer le garde n'a dépatchal n'a racher. Eh bien pour al gagner un ensemble de mandats parmi lesquels mandat Interpol pour rechercher moun sa yo pour zak yo te commet. Commissaire Jacques Lafontan estimé l'habilité l'autorité jusqu'à Yannick Joseph te osé al devant primature al barre cortège Ariel eh bien pour Ariel va jamais sibi aucun petit menace encore de ces gens eh bien commissaire Lafontaine dit yo annuler mandat Yannick Joseph nous ta aimé connait nous ta aimé gen lumière est-ce que commissaire gen autorité ça yo dossier qui dans cabinet d'instruction yo dossier côté gen même mandat Interpol. Interpol qui est en saisie sur ensemble de crimes, de faits. Parce que si le commissaire qui a pris sous charge, il émet mandat international, c'est parce que conviction fait. C'est parce qu'il y a des indices pertinents qui permettent qu'il est capable de prendre un tel acte, une telle mesure de conservatoire. S'il prend aujourd'hui, ce n'est pas un juge, ni un juge d'instruction qui rend une ordonnance. Qui dit, yon mette moun sa hors de cause, bah ouais, sous qui base, commissaire, décide jodia, ensemble de moun qui participe dans l'assassinat Jovenel Moïse, la blanchi, la prend décision sans qu'elle parle à la justice, commissaire c'est chef de poursuite, mais commissaire c'est porter dossier, moun li accusé à devant juge, mais c'est pas le juge là. Commissaire mandé peine, mais c'est pas commissaire qui juge là. Commissaire pas juge là.
Ça veut dire, je ne comprends pas comment on bon commissaire a blanchi de monde qui participait dans des crimes graves. Et puis on l'autre bord, commissaire Jacques Lafontan décide à persécuter de monde qui n'est pas impliqué dans des bagailles. Et puis c'est forgé et forgé dossier mette sur parce que Mounsaro décide de camper en face à Ariel Henry, il a revendiqué justice pour Jovenel Moïse. Nous gagnons Busta John. Busta John, c'est un militant politique, un combattant de vieille date qui a goumé depuis avant l'assassinat de Jovenel Moïse. Avec un seul objectif, bataille pour intégration diaspora fait. Un ensemble de monde qui mobilisait, monsieur, qui demandait, monsieur, faire, monsieur, venir en Haïti. Et puis, ils permettent à tout le monde qui a rencontré, les SA et Jimmy Cherizier, pas de corriger dans la phase de criminalité que vous avez reproché aujourd'hui. Cependant, nous dit, donc on même toujours dit, dans toute bonne armée, dans tout criminel qui a reproché du ministère, c'est Pierre Espérance, c'est Mario Lengil, c'est l'État qui transformait du ministère en bandit, peut-être qu'il n'a pas la même capacité politique avec nous. C'est à persécuter pour le connaître, qui mode stratégie pour l'emploi et pour Bouma avec Vagabond, eh bien, lui-même comme c'est Negazam, il fait alliance avec Negazam. Mais, en aucun cas, pas aucune preuve, pas aucune action, pas aucune façon que le commissaire Jacques Lafontaine, que la justice haïtienne a fait pour montrer que John, que Busta John, qui est fondateur, fondation Busta John au Canada, qui rentre dans un ensemble de batailles en faveur du peuple haïtien, en faveur démocratie, en faveur liberté. Et puis je dis, pour y'a chercher intimider Fondation Busta John, pour y'a joindre, pour Ariel, monsieur Ariel Henry joindre, y'a certain Frédéric Brown. Frédéric Brown, monsieur fait une émission, participer dans une émission Radio Métropole. Côté monsieur, dit, et dénoncer, et lui dit la bataille contre Fondation Busta John, contre Busta John, qui a fait politique au Canada, qui a fait sitting, qui a fait manifestation. L'analyse analysé manifestation Busta John, l'en analysé sitting Fondation Busta John, l'en garde prise de position, d'ailleurs, c'est des revendications nous-mêmes nous liés à nous-mêmes, que nous engagés là-dedans, que nous en bataille bon côté. Fondation Busta John, parce que nous-mêmes, nous sommes fondateurs de Fondation Busta John. Or, Frédéric Baron n'a pas dit Reginald Boulos, c'est terroriste qui participait dans l'assassinat de Jovenel. Frédéric Baron, ça, Frédéric Baron, Baron, wow. Malfaiteur, ça, il n'a pas dit que lui-même, juge qui participait, mettait mandat d'arrêt contre le président Jovenel, sans droit, sans matière, sans raison, sans justification, seulement pour faire plaisir avec un ensemble d'assassins, ils mettent un mandat d'arrêt contre Jovenel Moïse. Et ce mandat d'arrêt, ça, Madame Koch, pour l'utiliser pour chercher Colombien, pour le jeune CTU, pour concocter l'assassinat de Jovenel Moïse. Frédéric Baron, qui soi-disant dit, un pseudo-sociologue, nous ne savons pas si c'est ça, si c'est socio-mafioso que lui étudie, qui campe qui dit, Busta John c'est terroriste, ou la justice a cherché. L'aller plus loin pour le dire, Claude Joseph, te prend une position contre la République Dominicaine. Position Claude Joseph te prend, quel que soit son comportement, quelle réserve nous avons gagné sous le comportement de Joseph. Nous ne savons pas comment pour Frédéric Brahon estimer qu'il fait solidarité avec Dominique au détriment de Claude Joseph.
Parce que là, Claude Joseph te propositionnant. Il est propositionnant parce que la République dominicaine, Abinader, a un comportement raciste, a un comportement inhumain, a un comportement inacceptable par rapport à la façon dont il a maltraité, déporté, de façon inhumaine, compatriotes qui en République dominicaine. Claude Joseph fait une déclaration pour dénoncer la façon dominicaine à traiter les compatriotes qui sont à l'autre frontière. Claude Brahon, Frédéric Brahon, Frédéric, si porté façon Abinader, t'as traité Haïtien, et puis il prend parti pour Dominicain, et il condamne Claude pour le comportement Claude t'a gagné face à Dominicain. Est-ce que monsieur, c'est pas un raciste, c'est pas un décevant, c'est pas un. On t'a dit. Une espèce là, puisqu'elle n'a pas qu'à jouer non. Eh bien, Frédéric Brahon, nous dénonçons Frédéric Brahon. Parce que lui joue un espace dans une série de médias que nous-mêmes nous n'avons pas accès à lui-même parce que c'est yo. Parce que des nèg yo quoi depuis c'est yo depuis passé dans l'intersection yo bon Dieu depuis passé dans Wendell métropole c'est yo qui science vérité a c'est yo qui monopole la connaissance c'est yo quoi dans tout bagaille. Et bien c'est ça qu'expliquer jodi à Frédéric Baron qui s'est mandaté qui mandaté par équipe Ariel Henry pour aller goumer contre diaspora qui a demandé pour la communauté internationale là voyager dans la crise qui a passé en Haïti pour voir la crise autrement. Mais ça qui est bizarre la question c'est ensemble de persécutions aujourd'hui à nous même dans Sibi en bas main commissaire Jacques Lafontaine qui utilisait vous regardez mes mandats d'amener commissaire aller il prend journaliste li. Là il y a le monde qui est terrain là le souterrain lui fait bruit lui fait tapage les mal chercher qu'on est raison qui fait commissaire à persécuter presse soir jeudi qui ses propriétaires là et m'a tout dit commissaire comme il dit moi mettez à presse soir c'est moi avec presse soir qui fait hôtel ça. M'a dit commissaire jeudi et commissaire Pressoir, pardon, commissaire Jacques Lafontaine. Moi, son espace, des fois, l'aime qu'à payer, me paye pour me faire conférence. L'aime pas qu'à payer, lui, Pressoir, accordez-moi privilège, opportunité pour me faire conférence. Commissaire, il y a des problèmes parce que c'est Pressoir qui va espacer pour me faire conférence contre Ariel Henry. Est-ce qu'elle est sérieux? Et c'est peut-être ça, il cocopte avec le monde. Pour mettre un mandat d'amener contre Pressoir jeudi. Les gens qui connaissent Pressoir jeudi, c'est camarade moi, lui porte un mandat à moi. Lui dit, commissaire, pas de jambe, dit c'est ça le bref. Lui fait la première fois, il a arrêté jeudi Pressoir la première fois. Il a utilisé Teriel Telis, il a dit il a arrêté Pressoir avec gros âme de fois qui te menti. Mais, pour qui ça le fait? Parce que Pressoir ben m'espace pour m'a faire conférence, qu'elle gagne l'argent pas gagne l'argent m'a faire conférence contre Ariel Henry. Mais pour qui ça commissaire vient nous dire un petit peu en main envers moi-même? C'est par rapport un gros l'autre comportement, l'autre attitude vis-à-vis commissaire non. Parce que on est qui commissaire gouvernement monsieur? On est qui avocat métier mieux payé au monde? Il y en a qui passent 20 ans commissaire gouvernement, pas qu'à camper dans la radio et la télévision pour dire retard. Si vous en même ou pas, vous en même encore. Si vous avez dit bonjour, pas de bonjour encore. Parce qu'on est qui commissaire gouvernement, qui c'est chef action publique, ou pas qu'à camper dans la radio et la télévision pour dire hey, journaliste, prends ça à moi. Nous étions avec bon Dieu, nous étions avec Ariel Henry. Ariel Henry, c'est un voyou. Ariel Henry, c'est un assassin. Ariel Henry, c'est un sanguinaire. Ariel Henry, c'est loin qu'il paie sous Jovenel Moïse qui participait à l'assassinat du président de la République. On est qui chef poursuite, qui se commissaire gouvernement, même là, c'est Ariel Henry qui a fait rejoindre le job là, faut qu'on gonne Jean. Faut qu'on t'a au moins, m'a dit, moi-même, c'est vrai, un tel mettait mon commissaire, mais c'est la loi qui a comme boussole.